Allô, volume 3, spécial Halloween. Alors, ça va pas vraiment être vlog, hein. Je vais pas faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer beaucoup de choses, des persos, tout ça. Regarde par ici, on fait un grand sourire. Parfait. Merci beaucoup. Je vais pas te dire. Parfait. Allô. Ok, on regarde par ici. Encore une. On regarde ici. Parfait, on va faire une ensemble. Allez, vite. Victor, il va pas. J'y suis allé. Une ensemble. Ouais, parce que les autres très bien. Merci beaucoup. Oui. Allez, regarde par ici. Encore une. Génial, merci. 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 Bientôt. Attends, merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. Alors, ça s'est fait par hasard. On était à Discoveryland. On allait à Autopia. Il y avait beaucoup de monde. Qui on voit arriver? Miss Cupcake de Discoveryland. Elle s'appelle Caramel, mais bah, regardez ce qui s'est passé. Super. Thank you, Caramel. Bonjour. Cariño, quítate. Okay, hi. Hi. Nice to meet you, bonjour. Let me introduce myself. I love anniversaries, parties and cakes. Lots of fizzy drinks and shakes. Beaucoup de sucre et une pincée de sel. Moi, je m'appelle Caramel. Nice to meet you. My name is Caramel Cake. Est-ce que vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui? I've got a special mission. Mimi a demandé à mes sœurs et à moi de concocter chacune un gâteau d'anniversaire pour notre cher ami aux grandes oreilles, Mickey. Oui, Mickey. It's Mickey's brother, and that's why Mimi asked my sisters and I to bake a cake on this special occasion, and this is my cosmic cake. C'est mon super gâteau d'anniversaire. Sorry guys, but I come from space, so I need space. Hi. Hi. C'est galactique, merci beaucoup. You need to know the ingredients. Je vais vous dire les ingrédients de mon gâteau. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de caramel parce que bah, le caramel, c'est ma passion. J'adore le caramel. Caramel is my passion, so there's a lot of caramel on my cake. Then, we have a dark chocolate base. Nous avons une base en chocolat noir. Vous aimez le chocolat, la chocolate? Chocolate, yes. Oh, nice to meet you. Et ensuite, nous avons du sucre de poussière d'étoile. There's a stardust sugar, yeah, it's true. Really, okay. And finally, we have this crunchy vanilla scent. Des petits soleils croustillants à la vanille. Oh, c'est galactique. Mais je vois dans vos yeux que vous voulez savoir comment j'ai trouvé mon chocolat. You need to know how I made my chocolate, right? My chocolate, it's very simple. Pour faire mon chocolat, je dois aller sur la planète chocolat. I have to go on the chocolate planet. Yeah, it's true, hi. Nice to meet you. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Oui, très bien, venez avec moi. Vous devez aller... Victor, enchanté. Alors, Victor va vous expliquer avec moi. Nous devons aller sur la planète en chocolat. We need to go on the chocolate planet. And then, you have to use the cosmic vacuum cleaner. Vous devez utiliser votre aspirateur cosmique. Oui, you have, yeah, to collect all the chocolate that you need. Wait, really great. Okay, try with me the cosmic vacuum cleaner. Yeah, Victor, really great. Okay, everybody. Try with me on the other. Nous récoltons plein de chocolat, encore un petit peu. Allez, Benjamin, come on. Okay, very good.
Ensuite, pour le sucre de poussière d'étoiles. Victor, tu es prêt? Nous devons prendre deux belles étoiles. You have to take two shiny stars. Because for Stardust Sugar, you know, two shiny stars. Essayez avec moi, prenez deux belles étoiles. Et ensuite, nous devons les secouer ensemble. Ching, ching, ching. Avec le bruit, Victor. Ching, 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 ching. Very, very good. So, first, the cosmic vacuum cleaner. Okay, and then Stardust Sugar. Ching, 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 ching. Very good job, everyone. Thank you so much. You give me a lot of energy. You deserve a little present. Vous méritez un petit quelque chose pour avoir fait tout ceci avec moi. Mon ami Rosa va vous distribuer un petit quelque chose. Hola. Là, je l'ai pour toi, chérie. Hola. Super. Et ce n'est pas fini, parce qu'après, on est allé sur Adventureland et bah, il y a eu ça. Et vous savez comment je m'appelle? Do you know my name? Cerise. My name is Velvet. Cerise. And I love red juice to bake in my cake. Enough cherry juice to fill a whole lake. Je m'appelle Velvet et j'adore les gâteaux. Donc il n'y a pas beaucoup de moussaillons, venez, je vous fais une visite guidée de mon bateau. Oh, ça c'est très bien. Oh, je vois que vous aimez la pâtisserie. Venez, venez tous. Vraiment? Oui, bah. On va s'arrêter là un instant pour admirer ces vagues de la mer sucrée. Mare dolce, the sweet sea. Il fallait que j'utilise beaucoup de l'huile de coude pour battre en neige l'écume de la mer sucrée que vous pouvez voir ici. Alors ensuite, vous voyez, il y a le baobab au chocolat, 2 tonnes de chocolat, 2 tons of chocolate, so to plant this baobab in chocolate. But inside, there are 300 barrels of cherry. 3 barils de cerises dénoyautées écrasées avec mes pieds, lavées au préalable, bien sûr. Vous pouvez essayer d'écraser comme ça, très bien. Vous voyez, 300 barils, c'est vraiment bon. Ensuite, vous avez la palme. And here, regardez, c'est les paniers de vanille. La vanille, la palme. La palme, c'est vanille. Marvelous. And see, you see, you have, what is this? It's Rahat Bunjuman Lukum. Do you know Rahat Bunjuman Lukum? It's a Turkish delight. Delicious, delicious. And so to make this kind of zigzag, I had to roll and to go like this. Mais pour ne pas m'emmener le couteau, il fallait bien que j'utilise mes connaissances. Vous connaissez? Very good. And then when I did it, I put it on the chocolate, the baobab, with the stick, so it can't move. On gomme. Et pour ça, il fallait que déjà je fasse ma pâte. Et ensuite, le moule. Comme ça, le gaufre, le sempre, ces magnifiques sont là, tout à fait comestibles et délicieux. Delicious, swadesht, ochi, ochi. Et vous pouvez sentir les papillons danser dans votre ventre, tellement c'est bon. Alors, et ensuite, venez. Et ensuite, regardez, je saupoudrai le tout pour peaufiner le travail de bonbons en pierres précieuses. Jewel jelly, emeralds, rubies, saphir, malachite, l'or, l'argent, et tout ça, comestible. Non, vous pouvez manger jewel jelly that you can eat. Delicious, absolutely delicious. Can you see? Over here, jewel jelly. Very good. So, you can come here in front of me, please, like this. Oh, come. Ah, je suis très contente de voir le nouveau équipage au bord de mon bateau cadeau. Oh, Jesus,
Look how nice are they? Oh yeah. It's our new crew, so we can go on the adventure. Oh yeah, and I'm, who am I? I'm the captain, of course, Captain Velvet. Yes, alors. Je pense que Mickey va beaucoup aimer. Alors pour compléter la surprise, non. D'abord, je vais vous donner mon trésor. N'est-ce pas, Jesus? Je pense que Jesus, you can start to be the little part of my treasure. To each person here present in our group. Here we are. Oh, très bien. Alors, pensez-vous qu'il manque quelque chose sur mon gâteau en attendant? Des bougies. Ah, ça c'est vrai! Qu'un gâteau d'anniversaire sans bougie! Très juste remarque, nous saillons! Mais je pensais peut-être mettre des feux de Bengale, et pas rouge, et peut-être un bateau, un drapeau de pirate! Non? N'est-ce pas? Un drapeau de pirate? Ça serait pas mal! Bon, mais je pense que pour compléter la surprise, il ne manque qu'une photo qu'on pourrait faire tous ensemble et l'envoyer, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors, regardez, on va demander quelqu'un. Merci. On peut demander quelqu'un. Ah, alors, je me mets là. Alors, on va dire cerise. Très bien. Alors, je souhaite une bonne aventure. Merci. Bon voyage. Ceux qui n'ont pas pris la bouche. Alors, on va dire cerise. Très bien. Grâce à madame, oh, on a pris les manches à cause parce que le zoom. Merci. C'est quoi ce zoom de là-bas? Elle connaît même pas. Bonjour Pascal. Il est pas l'eau casse. Hein. Allez, Victor. Là, vous avez des champs en bord, et là, c'est des graves. On peut plus l'arrêter. C'est fini. C'est sympathique. C'est sympathique, je sens qu'on va acheter ça à la maison. Ouais. Une vocation. Grâce à vous. Grâce à vous, on va perdre tous nos voisins. Ah, voilà. Bon, super. On va écouter un dernier morceau. Le meilleur pour la fin. Attention. Ah, pardon. Bon. Oh, ça, c'est du pot. Ah ouais. Merci. Merci, public aimé. Merci. C'est des petits détails comme ça, de mise en scène, même pour une bouteille, je trouve ça très intéressant. Bonjour les amis, à tout à l'heure. Il y a un Berneuil sur vos dos. She can do better than him. He's not a prince. Yeah. He's not a prince. She doesn't need him. Sinon, demande guitare. Guitare, viens. Viens. Tu restes là pour les 7? Tu peux nous filmer pendant le 7 ou pas? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, merci. Attends. Thank you. Super Donald. Attends. Ah, cool. On l'a essayé de faire moi. C'est la loi du chien. Vous l'aurez. Je loupe la console s'il faut. Happy.
c'était Donald en Maléfique. Il est magnifique. On l'avait déjà eu l'année dernière sur son tricycle pour la parade Halloween. Donc, alors, le petit reproche que je ferais à cette organisation, c'est que bah, le personnage choisit qui vient prendre la photo avec lui pour la rencontre. Ça peut être sympa, mais moi je préfère quand c'est mieux organisé, c'est on fait la queue, on est en ligne et on passe chacun notre tour quoi qu'il arrive. Parce que là, ben, forcément les gens arrivent à la dernière seconde, poussent les mômes devant, j'ai eu un léger accrochage avec une maman qui est arrivée en diagonale, un gros sac à dos, on lui a dit de reculer, il fallait que moi je me poussais, enfin voilà, c'est pas intéressant ce que je raconte, c'est toujours la même histoire depuis des années. Donc c'est le petit bémol que je mets à ça, c'est vraiment sympa, c'est génial, mais vraiment le fait de rencontrer le personnage en étant en ligne, on fait la queue comme on fait pour les autres, au moins on est sûr de le voir. Il y aurait un point rencontre avec Donald Maléfique, je pense que ce serait un carton, mais ben voilà, on vient une heure avant, comme on a fait pour Limit de Chaser 4 ce matin, ce genre de choses, on attend et on est sûr qu'on passe. Là, on attend mais on passe pas. Ou alors voilà, c'est coup de bol, j'ai un ami, il s'est pris à 4 fois. Et à côté de ça, bon bah y en a, ils arrivent et ils passent 2 fois d'affilée parce qu'ils ont, ils ont eu de la chance. Donc c'est super pour eux. Mais voilà, ça cette organisation ne plaît pas, vous l'avez compris. Mais qu'est-ce qu'il est beau Donald comme ça. Voici la peluche pour les 90 ans de Mickey, je vous la montre. Ce qui est super, c'est que vous pouvez retirer le petit t-shirt. Moi je le trouve vraiment fabuleux. Voilà, 19,99€, je ne vous fais pas le prix pour le pass, c'est vous qui calculez comme des grands. Et elle est hyper sympa, je trouve ça vraiment très très bien fait. Et donc vous pouvez jouer à la poupée avec, il n'y a pas de problème. Petite précision, aux caisses, vous pouvez l'avoir pour 10,99€ à partir de 30€ d'achat. Donc faites des petites emplettes à Emporium. Vous vous souvenez, la grande boutique à gauche quand on arrive dans Main Street. Nouvelle sortie cette semaine, Oliver et compagnie, Prince Jean et moi pour moi. Mon petit coup de cœur, Tic et Tac. Les petites figurines sont à 14,99€, la grande 24,99€. Elles sont juste magnifiques. C'est moi. Et attention. Ah mince. Les nouveaux petits stylos Disney, à ne pas manquer. Pour terminer, j'ai pu les filmer, les mariachis sont là. Allez, on se quitte avec du coco. Ça fait toujours du bien un peu de coco. Y para seguir con los temas de la película Coco, un tema muy especial, no sé si se acuerdan. Recuérdame con Raúl y sus mariachis. ¡Sí, señor! Cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando el regreso. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará.
me tendrás.